des Macron, chacun ignoble à sa façon. Surtout plus inquiétant, nous, on est resté assez inaudible malgré toute l'énergie qui a été déployée. Alors, que faire? On sait très bien que notre point fort, c'est pas l'aspect médiatique. Peu importe. Certains partis, à l'image de certains dans notre parti, il faut se mobiliser sur le terrain et reconquérir quartier par quartier, sans se disperser, sans émietter. Certains touchent beaucoup de monde via les médias, mais la portée, elle ne dépasse pas plus d'une semaine. Nous, au contraire, notre identité, c'est de parler aux gens et de les marquer au fer rouge, tous ceux que nous rencontrons, pour ensuite faire tache d'huile. On n'est pas communiste par mode, on est communiste par conviction. Et ça ne s'éteint pas comme ça. Et même parmi ceux qui sont un peu éloignés du parti, on voit bien, ils se disent toujours communistes. Donc, première raison d'y croire. Deuxième raison d'y croire, c'est que le creux générationnel qu'il y a eu au PC, il s'est arrêté en fait. Il y a eu un creux, une génération qui n'est pas venue au PC, c'est comme ça. Et maintenant, il y a une nouvelle jeune garde qui est née et qui est prête à prêter main forte à nos aînés. Nous, on est prêts. Alors oui, on risque d'arriver avec des pratiques différentes, peut-être une idée différente, mais pour atteindre le même but. Et ça ne fera que compléter et enrichir nos futures pratiques communes. Car si nous voulons vous rejoindre, ce n'est en aucun cas pour vous remplacer, mais bien pour ajouter nos forces à la bataille et construire ensemble un avenir plein d'amour, de justice et de joie. Au nom des jeunes communistes isérois, je vous souhaite une très bonne année. Merci.